Chena TV, Chena Kitoko. Imagine yo na mwanda nche balelango makasi. Chena TV nangai, bana kini basepeli makasi. Ba diaspora, bana Congo. Bosunga Chena TV, ekende liboso. Chena munene, Chena TV, Chena munene. Imagine yo na mwanda nche balelango makasi. Chena TV nangai, bana Congo basepeli makasi. Bana kini, Chena oiza puna bino. On a une image par-ci par-là. On a ce pays qui est fort. Bana Congo, bana Poto, bana Diaspora. Vous abonnez à la chaîne Abino, Génor TV. Mingi a roulé Boki, Eza Génor TV. Vous abonnez massivement. Vous soutenir Génor TV. Vous soutenir les sous-sous. Bana Diabisso, Franck Ojivadol, il est pour la initiative. Génor TV. Très chers abonnés, téléspectateurs de la chaîne Génor TV, je vous dis encore merci ce soir à cause de votre fidélité à votre chaîne qui vous a toujours formé et informé en temps réel. Nous vous disons sincèrement merci. J'en profite pour dire merci à tous les abonnés qui partagent souvent nos liens, qui commentent nos liens, qui les partagent souvent. Et qui soutiennent tout ce que nous faisons, je leur dis sincèrement merci. Il y en a qui sont ici en Afrique, il y en a d'autres qui sont en Europe, aux États-Unis, partout. Je vous dis sincèrement merci pour tout ce que vous faites, pour votre humble serviteur et pour toute l'équipe de Génor TV, d'une manière générale. Je vous dis sincèrement merci pour tout cela. Et pour finir, je dis merci à notre caméra humaine traditionnelle, Naomi Mpé, c'est elle qui manipule nos matériels là-bas pour que nous soyons vus par vous. Je lui dis sincèrement merci pour sa bravoure et son dévouement. Que notre Dieu, le Dieu de notre salut, la bénisse aussi. La loi Tchani, ça c'est... Je commence avec ça. S'il vous plaît, ne nous tenez pas rigueur. Parce que je vous ai dit la fois passée que nous traversons un temps de chien en RDC. Nous traversons vraiment un temps de chien. Dans l'Est, il y a les atrocités. Nous avons des Rwandais qui pénètrent notre territoire chaque jour. À Kwamutu, vous avez suivi la déclaration du président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas n'importe qui, Christophe Mbosoko Diapoanga. Vous avez suivi sa déclaration concernant les atrocités qui se passent ou qui sévissent à Kwamutu. Nous traversons un temps de chien aujourd'hui. En RDC. Voilà pourquoi je demande à tous les Congolais d'être motivés. Je vais aborder encore la question de la loi Noël Tchani dans cette émission ici, bien que nous avons d'autres petites questions que nous pourrons aborder, mais je préfère commencer avec cette question de la loi Tchani. Qui défraye la chronique aujourd'hui en RDC. Ce projet de loi a fait parler même les abbés, les clergés, les hommes de l'église. Avant-hier, il y a eu l'association des métis congolais qui avait manifesté les ras-le-bol. Nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est la loi de la majorité. En démocratie, c'est la majorité qui gagne. La question que moi j'ai posée, ce qui te meki ou bien te lingi, toi tu as balance. Bato baza contre projet de loi ya Tchani. Bamata, côté moko ya balance.
Bato baza pour loi, pour projet à loi Tchani, ba matape côté Moussousou. Vous aurez la réponse. Parce que les médias internationaux, ils veulent montrer ou mettre en exergue les ras-le-bol de la minorité qui est contre ce projet de loi. Mais ils ne veulent pas parler de cette majorité qui soutient ce projet de loi Tchani. C'est là où je comprends que ces Occidentaux ne nous aiment pas. Tout ce qu'ils font, c'est de nous affaiblir. Ils veulent toujours affaiblir notre pays pour qu'ils aient la facilité de nous manipuler. Parce que si nous devenons aujourd'hui forts, les Occidentaux n'auront pas la facilité de manipuler les Congolais. Alors, ils veulent que nous continuions toujours à être affaiblis par des trucs qu'ils créent ici, qu'ils inventent tout ça ici et qu'ils nous imposent pour qu'ils continuent toujours à nous manipuler. Et donc, si on mettait là une balance, Bazu Bato Baza pour, Bache Bango Kote Moko, Bazuba Congolais au Baza contre projet loi Tchani, Bache Kote Moko. Naba Metiwana, Naba opposant au Baza contre, Naba Nani, Bango Nyoso, Toche Bango Kote Moko. Tozuba Congolais au Baza pour le projet de loi Tchani, Toche Kote Moussou ya balance. Bo peser siko, bo comprendre banani yango au Bazo gagner bitumba oyu. Au Bango Bazo sala, Eza Lokola une goutte d'eau dans le fleuve Congo. C'est ce qu'il faut là. Parce que le Batoubazo me tourne à tête. Comment Bameti Wanabino Bolobi, Bozaba Congolais? Mais pourquoi vous êtes au Congo, mais entre-temps, vous faites une association de métiers? Avec quelle intention? Vous êtes des Congolais, soyez mélangés, Naba Congolais Moussousou. Mais quand vous faites l'association de métiers congolais, il y a quel esprit derrière? La discrimination raciale. C'est-à-dire, vous vous surestimez. Vous pensez que vous êtes plus que les Noirs. C'est ça le problème. Mais les abbés n'en parlent pas. Les clergés, les hommes de l'Église catholique n'en évoquent pas dans leur discours. Le fait de se constituer en association de métis au Congo, mais c'est déjà une discrimination raciale. Mais pourquoi les catholiques, les hommes de l'Église catholique n'en parlent pas? Moi, je pensais qu'ils étaient honnêtes, ils allaient s'opposer à cette initiative de l'association des métis congolais. Alors, Bisopé Baoto Tikali, tout ça l'appelle association, il y a un vrai Congolais. C'est quoi, Bozo Télé Melabiso? Pourquoi Bozo Télé Melabiso? Cinq ans, c'est les déclarations Moko. Oh, cette loi est dangereuse pour la République. Non, cinq ans. Non, Abéchole. Non, Tika Bilokwana, papa. Tika Bilokwana. Abéchole, Tika Bilokwana, papa. Vendant l'église, salé l'ensemble de l'église. Tika Bilokwana. Tu as déjà bandakala parce que besoin de loko Moko Sikao Bokoloba. Na minute église catholique, besoin de loko Bokoloba. Oh, peser qu'on fait trembler Congo. Exacté. Parce que nous sommes aussi au déjà. Et pour finir, tout le monde a compris que vous êtes animé de l'esprit de la haine viscérale contre le régime. Tu sais ce qu'il dit? C'est tout ça le problème. C'est tout ça le problème. Au lieu de jouer rôle, il y a église au milieu du village. Mais déjà, vous avez une propension. Vous soutenez, vous êtes derrière l'opposition congolaise contre le régime. Étant de retour à Bino Bolbano, l'église a été toujours derrière les marginalisés, les vulnérables, tout ça. Non, il n'y a pas question de marginaliser ici. Il n'y a pas question de vulnérables ici. Il n'y en a pas. Nous sommes tous des Congolais. Félix Azawana, est-ce qu'il a traumatisé Batunamboko? Banda sur le pouvoir. Kabila Zaki n'a pouvoir. Ah, Moutoko Tbobenga médiocre. Les lobos qui n'a kingakati. Vous allez manger là-bas. Les lobos de Kabila est encore trop jeune. Il peut encore faire beaucoup pour ce pays. C'est vous, catholiques. Est-ce que si nous sommes vraiment sérieux, nous pouvons vous donner du crédit? Non, mais nous vous respectons quand même parce que vous êtes des personnalités.
Mais à partir de vos propos par moment, vos prises de position, par moment ça nous inquiète. Ça offusque plus d'une personne. Donc il faut bon s'attendre toujours na ba batak et vous là parce que ceux qui besoin vendre kimiate boutique et la biso bitumba auto bundango ceux qui besoin là qui vraiment honnête et neutre bon là vous bisa bande comme métier ou un bobino ceux bon bon manifester al bol c'est bon mais bon qu'on était au nom de l'association de métier non bon qu'on était le coba congolais tout court bon qu'on était le coba congolais tout court bon manifester ras-le-bol, bon bisa ba parlementaire, ba voter loi naté, c'est ça. Vous n'allez pas vous opposer contre le régime, non. Le roi Daniel Safou, un député qui ne maîtrise pas le fonctionnement des institutions, qui ne maîtrise pas la notion de séparation des pouvoirs. Bitumbeza na parlement, au lieu bango ba travailler na sena sendenge ndenge procès mbata Jean-Marc Kaboun, ba toyer des pièces ba bunda qui ti ba renverser majorité. Et au Zaki na FCC, ma PC en aussi qu'on a chef de l'État, au lieu ensemble, bah qu'il y a une campagne, on est nassé, non. Il commence à se comporter, le corps bateau va éviter comment l'État fonctionne, le corps bateau va comprendre les notions de séparation de pouvoir. Mais Montesquieu, là où il est vraiment contre vous, il est fâché. Parce qu'il comprend que vous faites la politique, mais vous ne comprenez pas cette notion de séparation de pouvoir. Bitoumbeza na assemblée, mais Bino Bozo qui ne peut attaquer chef de l'État. Est-ce que ça vraiment logique? Est-ce que ça vraiment logique? Non. Faites une campagne en coulisses. Pour convaincre les députés. Même dans les métiers, ils ne peuvent pas faire ça. C'est ça la voie légale. Ceux qui ont un parlement, oui, ils ont parlé du peuple. Ils ont parlé du sujet congolais. Ils ont le droit de dire na parler du peuple pour manifester ras-le-bol. Quand on a ma député, va voter loi wanati. Je soutiens parce que c'est une voie démocratique prévue dans notre constitution qui régit notre pays. En tant que légaliste, je soutiens ça, j'appuie parce que c'est une voie démocratique. C'est légal. Mais moi, ce qui me fait mal, ce qui m'a offusqué dans tout ça, c'est quoi? C'est quand ces métis se sont constitués à une association de métis congolais. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Parce que là, j'ai compris que même l'Église n'est pas neutre. L'Église n'est pas neutre. Parce que si l'Église catholique était neutre, il aurait fallu bah, clergé, bah, abbé, basé, bah, bah, métis, non. Bokende était comme une association de métis, mais Bokende ka lokola, ba congolais les sujets, congolais tout court. Bokende, ko manifester al bol nabino, na palais du peuple. Et n'y a la normale. Mais si quoi, abe solé, ba fana ki kimati, ba sali plan abango, après, ba yoko bima, abe solé, a sali déclaration. Alobi, cette loi est dangereuse à plusieurs titres. Elle menace la paix sociale parce que les personnes victimes de cette loi sont des personnes portées par la communauté qui les connaissent comme étant les leurs. Oui, je dis amen. Ce sont des Congolais abécholés. Moi, ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est le fait de ne pas comprendre la quintessence de cette loi. C'est ça ce qui me fait mal. Ou soit, vous comprenez la quintessence, la portée de cette loi, mais vous faites semblant. Vous faites semblant, c'est ça. Est-ce qu'ici, il y a question, j'en ai parlé plusieurs fois ici. J'en ai parlé plusieurs fois ici. Il n'y a pas question ici de la congolité, non. D'être congolais ou de ne pas être congolais, non. Il n'y a pas question ici de discrimination par rapport à la congolité. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas. Ici, c'est une exception, c'est ça. Nous soulevons une exception. Je vous lis un article de la Constitution parce que j'aime beaucoup cette loi, j'aime beaucoup la Constitution. Je la considère comme nous avons toujours considéré la Bible dans nos églises. La Constitution. La Constitution. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Je lis l'article 11 de cette Constitution du 18 février.
la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée en 2011. C'est cette constitution, ce n'est pas la constitution des transitions, non. Ce n'est pas la loi fondamentale, non. Je lis la constitution définitive de la Troisième République, c'est ce que je lis. Au moins si vous n'êtes pas juriste, vous n'allez pas parfois comprendre ce que je vais dire ici. Là, je corrobore l'idée du professeur Mbata. L'article 11, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Point. Je dis amen. Ça, c'est constitutionnel. Nous sommes égaux en dignité et en droit. Voilà. Toutefois, la jouissance, toutefois, on commence la phrase avec toutefois ces mots. Toutefois. C'est-à-dire quoi? C'est une règle. C'est une règle, ce que je vais lire ici. C'est une règle. Mais en droit, à chaque règle est préconisée une exception. Voilà pourquoi je vous ai dit, au moins si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas juriste, vous n'allez pas comprendre ce que je lis. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnu au seul congolais. Mais surtout qu'il y a la logique, au seul congolais, point, il s'agit de quel congolais? Si lorsqu'on dit toutefois la jouissance des droits politiques est reconnue au seul congolais, il s'agit ici de quel congolais? Parce que nous avons la nationalité congolaise d'origine et la nationalité congolaise d'acquisition. Mais tous ce sont des Congolais. Mais ici, l'article 11 de cette loi nous dit que toutefois la jouissance de ces droits, des droits politiques, est reconnue au seul Congolais. Je vais d'abord m'arrêter là-bas. Mais ici, il s'agit de quel Congolais ici? Congolais des nationalités d'acquisition ou d'origine? Congolais des nationalités d'origine ou d'acquisition? Bah, Congolais, il y a nationalité d'origine, et ça, bah, oh, bah, ça, bah, na papa moko, Congolais, soit maman, parent moko, Congolais. Soit on a botamé sur le territoire congolais, mais mes parents sont ébanités. Ou bien moi, on a botamé, mes parents ne sont pas étrangers, mais dans le pays où on a législation, ils ont reconnaître un système jus sol et non jus sanguinis, le cas des États-Unis d'Amérique. Ils ont reconnaître le sujet de Bango, car ceux qui ont botamé dans le territoire de Bango. Ceux qui moi na botami ke ba parents nae baza ko appartenir na pays ndenge wana moi na wana koki ko pona nationalité congolaise parce que biso tous na tous les deux systèmes yus sanguinis et yus soli moi na oya botami na papa moko congolais ou bien parents moko congolais aza congolais d'origine, ça c'est sanguinis. Moi, je suis un ami, na territoire na biso congolais, mais ba parents na ye, ba ye banité. Ndenge bana basi musu bazala kazu zemi aboti mwana azu mwana akebuaka na kanivo. Na tongo balokoti mwana wana bakene na la police, l'état azu mwana wana. Mwana wana aussi longtemps que ba parents na ye ba ye banité. Mwana wana aza congolais. Aza congolais, ti soki akoli ke ba parents ba ko monana ba établir nationalité ba parents na yeso ba zaki ba étranger. À ce moment-là, moi na koko pona soit nationalité moko ba parents, soit atika nationalité congolaise. C'est ça. Waneza yus soli parce que abotami na Congo biso na système nyoso mi balé wana. Siko nationalité monsieur peut parler élément monsieur. Nationalité d'origine,
ce que vous appartenir na ethnie moko oyo ezala ki na Congo avant indépendance oyo indépendance écoute qui na Congo sur le territoire congolais. Tu es congolais d'origine. Mais c'est ba vrai banyamulenge ba profitaka ba vrai banyamulenge. Mais ya lukuta oyo se baya kokota na mboka na biso après. Wanneza aspect ya nationalité d'origine. Mais c'est quoi nationalité d'acquisition? Cette acquisition là peut se faire soit par naturalisation, par option. Ça peut se faire même par naissance, par le mariage, tout ça. C'est quoi yo? Batoyo baza bazu nationalité na biso par naturalisation. Il y a la petite naturalisation et la grande naturalisation. Mais ce qu'on tangi bien na arsenal na biso na loi na biso na code civil congolais. On va comprendre que ba congolais n'y ont pas bazu nationalité par naturalisation. Mais bazana ba poste musu ba koko kipete na Congo. Bazana ba poste musu ba koko kipete na Congo. Atana ba division na biso yu. Ba poste musu ba koko kipango te. Siko awa tango constitution zo lobela. Tout ezo leba toutefois la jouissance des droits politiques est reconnue au seul congolais. C'est que même ba obazu nationalité. La minute où Baza peut reconnu comme des Congolais. À ce moment, il faut ce que tokené na loi organique yangonde eko interpréter disposition malam. Mais mutu oyo aza juristité. Quand il prend ça, il se limite ici à éviter qu'il y a une loi organique où ils ont interprété ma disposition où détaillé yango comme ça ce que na loi wana organique ndoko kuta sikoyo. Ba détail, il y a ma disposition. Oyu. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ que Bilokoyo, pour comprendre Yango, tu dois avoir fait les droits. Je soutiens totalement le professeur Mbata. Le professeur Mbata. Maintenant, écoutez, le même article 11 dit ceci. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue au sein congolais, virgule. Écoutez, suivez maintenant l'exception. Sauf exception établie par la loi. Est-ce que exception oyo batiamo le soir? Exacté. Exception peut koki kozala. Mutaza demain, c'est une exception. Akoki exercer fonction moboité, c'est une exception parce que Mutaliboma c'est un Congolais, mais beaucoup qu'on a jamais Mutaliboma botchaye na fonction mon poste moko boy. Non, il y a souveraineté. Non, c'est une exception. Mutaliboma moko pas ko banaya lobi non ngape na postuler na ngai. Est-ce que bakondi baye pas postuler parce que baby que c'est un fou azana balabala tout ça, mais moi il dey le muke a déposé candidature, mais état physique n'a pas été malamouté. Parce qu'il est congolais, au regard de ses dispositions ici, article 11, article 10, 11, 12, 13, au regard de ma disposition, c'est que tu as appelé Mutaliboma, tu as un poste comme président de la République, mais pourquoi beaucoup de gens qui à sa langote? Et pourtant, c'est un congolais. Est-ce que moi, j'ai moins de 18 ans, un mineur, à quoi vous avez postulé? Bozouye qui a comme président de la République, et aussi Mbate, qui peut exercer fonction en athée, même ceux qui ont sous titre, mais à quoi ça l'angote? À quoi ça l'angote? À quoi ça l'angote? Parce que, bien sûr, si vous comprendre que moi, je suis congolais, oui, il est congolais, il y a droit subjectif, il y a sujet, il y a droit objectif, à quoi peut exercer le droit subjectif. Mais le col à Aza mineur, c'est déjà une exception. À quoi qu'il exerce fonction OET? Parce que loi et lobby, pour exercer, il faut aller, qu'on bande à 30 ans, tilikolo. C'est-à-dire, bateau basé à 30 ans, malgré que basé à Congolais,
Mais ba koki ko exercer yangote na le ngoku tata na mineur to ke deka na loi électorale et soupi sina 30 ans pour que de ko déposer candidature comme chef de l'État souka esa 30 ans tikuna si ko soki oza na 29 ans oza soki oza na 25 ans aussi si université oza na 27 ans aussi si université tu travailles déjà quelque part. Au regard de cette loi, tu ne peux pas devenir président. C'est-à-dire, il a commis déjà exception, il a commis exception dans la loi. Wana. Ou bien, quand il a commis exception dans la loi. C'est-à-dire, la règle n'est pas exception et à la cas. Le col dans l'article 11 va évoquer exception. Le principe où il y a jouissance, il y a droit politique. Le droit politique aux a reconnu na ba congolais ba soulever exception ba lobby sauf exception établie par la loi. Mais le projet de Tchani, c'est quel projet? C'est un projet de loi. C'est un projet de loi. Toujours il n'a pas tombé qui sa exception sous la règle Oyo. C'est ça le problème. Pour qu'il n'y ait pas, parce que au regard, il y a ma nyon, ma kamo nyonso, ma réalité, on nyonso, toujours vivre le lion à Congo, Bandeko. Toujours comprendre que il y a, je peux soulever une inadéquation entre cette loi de nationalité de 2014, de 2004, et les réalités socio-culturelles, socio-politiques, ma réalité n'a pas le lot, ma réalité. On toujours vivre les lots sociologiques. C'est-à-dire, je peux soulever cette inadéquation entre cette loi de nationalité de 2004 et les réalités sociologiques aujourd'hui. Qui est congolais? La Est Kuna. Boutou, Barwande, Bazo Kote Panabiso, Bazo Tonda na Est Bo, Bandeko Est Bazo Ganga. Catholique Kakanye Matoui. Moi je pense que Bandeko Oba il valeur ya loi Oyo. Et ça binote bato parce que Moussou Bazana Kin, Abotama na Kin, Moussou Abotama na Kasai, Moussou Abotama na Bakongo, Moussou Abotama. Bayebi makambo pezate. Bazo vivre yango te. Mais bato bazo souffrir. Et ça Bandeko ya Est. Moi je pense ngai. Na Bandeko nanga nyonso ba vrai Congolais ya Est. Ba vrai Congolais, ba Moussi. Ba Moussi, ba maman na biso première dame. La distinguée première dame, Denise Nyakeru. Ozu ba mouche. Ozu ba rega. Ozu ba... Au fait, bango nyon so wana. Bande konanga nyon so ya Est. Nous allons soutenir cette initiative ou ce projet de loi Tchani. Nous allons soutenir ça parce que bango ne bazo vivre yango. Le lo so ki ba Rwanda, so ba balkanize Est. Bande ko ya Goma, ba okende wapi. Bande ko Bukavu, ba parce que en face Rwanda za. Koto yo Uganda zali, kuna Burundi zali, banilotique, bako envahir, parce que kuna bango baza bambo keza mike, vous imaginez Burundi, mounen na Burundi nyoso. Komine na biso ya Maluku, eleki Burundi, komine ya Maluku. Ozu Bujumbura, moi je connais Bujumbura, Ozu Bujumbura, komine Kisasa, okutoza muke, komine Kisasa ta lingwala, eleki Bujumbura na mounene. Pona bato bakenda bamboko na tena lobi Bujumbura capitale ya Burundi komi na biswa kisasa eleka na munene ozui Burundi mobimba nango komi na Maluku eleki Bujumbura eleki Burundi na munene siko bato wana ba balkanize siko ba wana sono bazaba ba nilotique mingi bazaba kuna ba tutsi bazana na Burundi ba tutsi bazana Rwanda bazana na Uganda bazana Tanzanie tout ça siko bazui Bukavu Goma de Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Bazui, Ituri, Bazui, Tanganyika. Tanganyika est parmi les provinces à Minene. Tanganyika est le qui Nord Kivu na Munene. Tanganyika est le qui Nord Kivu na Munene. Aujourd'hui, Tanganyika, aujourd'hui, ma province de Soana. C'est quoi, balkaniser yango, balu wa pesi banani, ba Banyamulenge. Nakata banyamulenge ba tutsi bazali tokolo bango nenge nini po boyo kamela nzambe na ngai bosa bato nenge nini nzambe na ngai kongole
Ce qui va continuer à Zumbo, Kawana, va balkaniser en haut, écoutez, c'est fini. Barrega, il y a Bukavu. Ba tribu nyonso ya nord sud Kivu nyonso wana bango bando repousser bango ba tout si bango bando remplacer ti bako tonda ba comme belé bokan sa de ba sala ba utu na Rwanda tango ba boma bia rimana ba boya ke election na bébé parce que ba yeba ki ba utu ba zaki belé ba tout si o ba uta Uganda ba zaki muke mais lelo siko ba zaki belé. C'est comme ça qu'ils vont faire encore dans l'Est. Congolais, aux Andonimini, Congolais. Mais pourquoi qu'on attaque Luachani? Vraiment, mais ça n'a pas passé dans mon thème. Et ça n'a pas passé dans mon thème pour tant de gens Congolais, parce qu'on bondit ça. Projet Luachani. Il y a des exceptions au tozo ngato kote ça. Des exceptions. Bocha na mitu na bino que ba congolais nyoso baza tata congolais, mama et ceux qui nani, mama ceux qui surtout ba baza mama congolais ba papa libanda. Oyo eza exception au tozo kote ça awa. C'est une règle, mais nous ajoutons l'exception parce que ba exception eza déjà ebelé. Na ko soulevant ngo awa eza belé. Yango na yaki lisusu. Prenons le belo kouana. Donc ça c'est une exception. Bah exception c'est belo toko soulevé awa. Donc loi Tchani, ngai na soutenir yango. Abesole, ngai na soutenir. Abesole lobby. Oh nani makila ya Mamadou Ndala. Il a dit quoi ici? Il a dit quoi? Le sang du colonel Mamadou Ndala versé sur les champs de bataille pour la sauvegarde de l'intégrité nationale. Et contre cette proposition de loi, Abécholé. Non. Abécholé. Waneza diversion. Bonjour, nous avons mis sur place au Tozali. Awa, Mamadou Azaki, chef de l'État T. Mamadou Azaki, colonel. Mais Awa, Tozo Lobé, la base, fonction de souveraineté. Président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Même chef d'état-major. Mamadou Azaki chef d'état-major, t'es. Mamadou Azaki président de la République, t'es. Azaki premier ministre, t'es. Mamadou Azaki commandant des opérations. C'est normal. A quoi qui peut kende ko bunda pour n'amboka parce qu'il y a Congolais. Donc, comme on a besoin de terre, on a été abécholé. Le sang de Mamadou ne va pas regretter, n'est pas contre cette proposition de loi Tchani. Non! Parce que Mamadou n'était pas le chef d'état-major de l'armée congolaise. Mamadou n'était pas le président de l'Assemblée nationale. Mamadou n'était pas président du Sénat. N'était pas le premier ministre. Mamadou n'était pas le président de la République. Alors, ne nous amenez pas sur ce terrain-là. Papa, Toza, Yakotimba. Ma discours, bozo kenango, bokende, pour nous influencer, non, c'est pas nous. Nous, on réfléchit. Bangonyoso, même Katumbi, c'est un Congolais. Nalobengo déjà n'a pas émissé Bélé. Aza Congolais. Adam Mombole, Aza Congolais. Oui. Bangonyoso, Ata Soussoso, Bameti, Nyoso, Bakendeki, na palais du peuple. Bazaba Congolais, Bangonyoso, Bazaba Congolais. Bako comme ba soda, Bako postulé, Bako comme ba député, Bako comme ba sénateur, Bako comme Bakoki, kosala ba commerce, ba business na bango, bakokoma. Non, ba fonctionne zébélé. Avant que le pays n'a mon entreprise, moko boye, a ke travaille comme mandataire, mais kokoma chef de l'État congolais, c'est tout place wanande. Non. Alors, Abbé Solé, le sang du colonel Mamadou Ndala n'est pas contre cette proposition. Non, parce que Mamadou n'était pas le chef d'état-major. Mamadou n'était pas le président de la République. Mamadou n'était qu'un simple chef commandant des opérations. Point barre. Donc, bon, mais Mabissou na terrain ou na terre, je pense que c'est trop glissant. Ça ne va pas tenir. C'est trop glissant. Mais on déplorait position il y a Amérique. Na dernière minute,
Amérique, Oyo, depuis le début du mandat de Fatshi, qui est considéré par les Congolais comme notre partenaire stratégique privilégié, Barussi, Bazaï Koto, Chine, Bazaï Koto, France, Grande-Bretagne, tout ça. Mais Bissoto, Kanisaki, qui est Amérique, Topona, qui est Amérique, comme partenaire privilégié. Mais dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, le représentant américain auprès des Nations Unies a sali déclaration Moko pour attaquer la RDC. Je vous lis cette déclaration. La République démocratique du Congo doit immédiatement mettre fin à la coopération avec les groupes armés et faire cesser le discours de haine. Waouh! Waouh! A affirmé l'ambassadeur Robert Wood, représentant suppléant pour les affaires politiques spéciales aux ISA, aux Nations Unies. La République démocratique du Congo doit immédiatement, Bayama, immédiatement, Kagame Oyezo Bomabatu, immédiatement exaté. Banda Bolobi Lobi, Kagame Atiki soutien a été Nana M23. Mais Bozoye l'abuso que la République démocratique du Congo doit, c'est impératif, doit immédiatement mettre fin à la coopération avec les groupes armés et faire cesser le discours de haine. Waouh! J'aime bien l'intervention de notre ambassadeur. J'aime bien. Yoga Siko réaction à eux. Réagissant au propos de l'ambassadeur des USA à l'ONU, Georges Nzongola, Pero Nalela, Pero Fort, Batika Pero Azala, toujours représentant Nabiso Ona ONU, Pero Azala Kaka. Yabeta Bango Peneba Modi, Farafara. Georges Nzongola, représentant de la RDC aux États-Unis, a indiqué que les éléments FDLR sont déjà trop vieux pour poser une certaine menace au territoire rwandais. Si on a ça, continue à lobby. Non, mais Péro, ça n'a pas plaisir. A poser une question entre Moutou Oyo. Oyo aza kotenir discours ya haine na oyo azali kotangisa makila oyo azo boma la vie humaine est sacrée ba instrument nyonso juridique internationaux mingi et protégeaka toujours l'individu et protégeaka la vie humaine. Ben, c'est vraiment belé, ba droit de l'homme, ezali, ba nyo so wana, ezo protéger droit ya moutou. C'est comme ça que même la constitution na biso balobi, la liberté est un principe, mais la détention est une exception. C'est-à-dire, bako kanganga boyete illégalement, ba tianga na kachoté. Parce que je dois être libre. C'est-à-dire, vie ya moutou ezo protégé. Ce qu'on ambassadeur na biso, représentant na biso, à Tuni Bangou, à l'objet entre Moutou et Azako, tenir discours, il y a haine. Na Moutou et Azako Boma, Batou, Bakongole, Nani Aza plus dangereux. Nani Aza plus dangereux, est-ce Eza Oyo Azako tenir discours, il y a haine, mais Abomi Moutouté. Ou bien Eza Oyo Azako tenir discours, il y a haine, mais il y a Azako Bomande, au Panzazo se met panique, terreur. Hécatombe entre Batumi Baliwana. Nan yon waza malade. Tozo c'est la réponse tisikoyo. Nan va répondre te. Tozo c'est la réponse nabango. Yaba américain va répondre biso. Les américains, vous devez nous répondre entre celui qui tient un discours de la haine et celui qui tue les humains. Qui est le plus mauvais? Voilà, vous nous demandez de cesser, d'arrêter immédiatement notre soutien aux rebelles qui ne tuent pas les Rwandais, aux rebelles qui ne sont qu'ici au Congo, qui ne sont pas au Rwanda, qui sont sur le territoire congolais.
Mais vous nous demandez de ne pas soutenir ces rebelles, de ne pas collaborer avec ces rebelles. Mais entre-temps, nous avons les terroristes que vous-même vous avez reconnus comme tels. Les terroristes qui massacrent, qui tuent les Congolais ici et qui sont soutenus par le Rwanda. Mais pourquoi vous ne demandez pas au Rwanda d'arrêter son soutien immédiatement aux rebelles du M23? Mais vous venez nous donner des injonctions. Entre-temps, c'est nous qui sommes victimes de la barbarie rwandaise, de la méchanceté occidentale. Mais vous venez encore nous donner des injonctions. Vous nous donnez des dictats. Donc nous devons cesser de tenir, de propager des discours de la haine contre le Rwanda, contre les Rwandais ou les rwandophones qui sont chez nous. Mais non, ils ne sont pas menacés. Les Tutsis-là ne sont pas menacés. Au contraire, ils sont protégés par leurs frères, les M23 et les RDF. Ils sont protégés parce que ce sont les oiseaux de même plumage. Mais ceux qui sont tués là-bas sont des Congolais, ce ne sont pas des Tutsis, machin. Oh ma foi! Nous sommes dans quel monde, mon Dieu? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites et de ce que vous dites? Oh ma foi! Nous sommes dans quel monde ici? Pourquoi la cruauté des Occidentaux a atteint ce paroxysme? Pourquoi votre cruauté peut arriver jusqu'à ce niveau? Pourquoi ces semblants? Le sang des Congolais est versé chaque jour sur la terre de leurs ancêtres. Les innocents qui sont tués là-bas. Mais au lieu de condamner, de demander au Rwanda d'arrêter avec ses soutiens au M23, mais vous venez ici nous demander d'arrêter de collaborer avec les rebelles qui ne sont pas paniques, les rebelles qui ne tuent pas les Rwandais, les rebelles qui ne tuent pas les Rwandais, même les Banyamulenge qui sont ici. Mais je ne comprends pas. Nous sommes où là? Est-ce que vous êtes des humains? Est-ce que vous avez les sentiments que nous avons? Voilà pourquoi Vladimir Poutine est contre vous. Je lui donne raison. Les Rwandais qui nous tuent, au lieu de demander au Rwanda que vous vous soutenez d'arrêter avec ces jeux, non. Le Rwanda qui soutient les terroristes qui ont tué les Américains en 2001. Les terroristes qui ont endeuillé les États-Unis d'Amérique. Les terroristes qui sont aujourd'hui aux antipodes éternellement avec les Américains. Les terroristes que les Américains n'aiment pas et ne peuvent jamais pardonner. Mais ces mêmes terroristes-là sont chez nous. Ils sont soutenus par le Rwanda. Mais au lieu de demander au Rwanda d'arrêter ses soutiens immédiatement, mais vous venez ici chez nous, non. Vous nous demandez d'arrêter, de collaborer avec les rebelles qui ne sont pas considérés comme des terroristes parce que les terroristes sont plus mordants que les rebelles. Mais vous nous demandez, et pourtant les rebelles, là, d'autres sont des Congolais. Parfois, ils veulent se défendre, ils ne veulent pas que les M23 tuent leurs frères et sœurs. Mais ils se défendent. Ils se défendent. Ce sont des Congolais, ce ne sont pas des étrangers. Il y en a qui sont des Congolais, oui. D'autres sont des étrangers, bien sûr. Mais les rebelles qui sont actifs pour le moment sont des Congolais qui se défendent. Mais au lieu de demander au Rwanda qui soutient les terroristes qui tuent les Congolais, non, non, vous laissez les Rwandais à côté et vous venez chez nous, vous nous demandez, nous là, d'arrêter de collaborer avec les Congolais qui sont les mains armées. Les mains armées. C'est comme ça que je peux les considérer. Les Congolais qui sont des mains armées. Vous nous demandez de ne pas collaborer avec ces Congolais-là parce que ce sont des... Ah non, non, non. Ces mains armées-là, ces rebelles-là, ce sont eux qui ont découvert les caches d'armes dans la société minière de Bisunzu, qui appartient à l'honorable Edouard Mwanga Chouchou, qui est soutenu par ces impérialistes, ces multinationales, ces occidentaux. Ce sont ces rebelles-là qui ont découvert ça. C'est ce qui a frustré les Américains. Écoutez, ne nous embrouillez pas.
Le Banyamulenge, au regard de cette constitution, je viens de lire cet article. Félix a reconnu cette minorité comme des Congolais. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez? Mais s'il y a des soubresauts entre ethnies dans l'Est de notre pays, ce n'est pas le gouvernement. Macron l'a dit ici. Il ne faut pas mettre ce que les journalistes disent sur le dos du gouvernement. Ce n'est pas légal. Macron l'a dit ici. Mais pourquoi vous voulez prendre le discours à nous? Mais ça ne nous engage que nous. Vous voulez prendre le discours de cette population du Nord Kivu qui est marginalisée, tuée. Leur discours, là, quand ils dénoncent l'infiltration rwandaise sur leur territoire, et vous considérez ça des discours haineux. Est-ce que vous êtes normal? Vous êtes normaux? Vous êtes vraiment normaux? Est-ce que vous êtes vraiment normaux? Et nous, nous tenons ce discours-là, mais nous ne les tuons pas. Mais eux sont en train de nous tuer là-bas. Bon, écoutez, laissez-nous ces histoires-là. Laissez-nous ces histoires. D'ailleurs, vous pouvez Kanda. J'arrête l'émission ici. Tokutani balasima. Na pesi merci na bande konyo so bazola na biso de partout. Na pesi bino merci. Bo partager lien émission. Mikolo yo nazo sa la émission ya ko révolutionner nango peuple congolais. Ya ko surtout ki sa peuple congolais. Mikolo ba émission yo so peuple congolais photo surtout ka photo la muka. Vrai la muka ja la muka o Martin fo lo tikali nango anate. La muka anate, vrai la muka. Peuple congolais to la muka. Parce que tant ils amabé. Nous comprenons petit à petit qu'il y a un complot international contre la RDC. Surtout contre notre chef de l'État. Imaginez-vous, ceux qui ont Félix Soba, va battre Félix Alongo à Koufi, brutalement comme ça, à Koufi. Oyebi, trouble au côté de Mbokoyou. Trouble au côté de Mbokoyou. Écoutez, n'osez pas, parce que les gens vont s'entretuer ici. Ça sera vraiment une hécatombe. Vous ne serez pas en mesure de calmer cette hémorragie. Laissez ça. Et les Congolais qui sont abrutis, les Congolais par les discours politiciens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que nous sommes en train de marquer un pas de géant avec Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, Kagame commence à parler, il est devenu loquace. Parce que Batiye do omir. Tu as comme un niveau, il y a quoi attaquer Bissot. Et je vous dis, ce n'est pas Kagame seul qui nous agresse. Ce n'est pas Kagame seul qui nous agresse. Kagame derrière lui, il y a des Occidentaux qui sont là. Il y a même certains pays d'Afrique ici. Qui sont là. Bolande ma déclaration Museveni. Côté na bisowa tozo kan sakeno mandat mission ya ba basoda wana ya force multilatérale et ça offensive, ils ont une mission offensive, mais Museveni va nous dire et la mission de cette force régionale n'est pas offensive. Ce n'est même pas défensive, ce n'est même pas offensive, mais ils sont comment je peux les considérer? Des observateurs. Voilà. Parce que nous, on pensait que leur mission était offensive. Mais Museveni, ils ont offensivité, ils ont défensivité. Mais il y a observation. C'est une mission d'observation, comme la MONUSCO. Alors, importance n'a bango ezanine. Importance n'a bango ezanine. Quand on va dire qu'on a récupéré Bounagana, Bazu Bounagana, Tomoni, Ulingoma, Naba, M23, Moussous, Bakaniba, Photo, Naba Soda, Ougandé. Zamba Sunga Bisso, Zamba Batila Bisso. Force à Félix pour le moment, et à Bisso, peuple. Soki Félix, et à Zagina Bisso, Tena Simanaye. Soki Tosaki, d'accord, Tena Nyoso Félix, et à Zosala. Ndelelo Basso Bazoakie. Parce que Babanda campagne à diabolisation, pour diaboliser Félix. Pour que le peuple a se révolté. Ti kagama komi koloba makambo za ko relever na souveraineté na biso. Il y a élection. Kagame o ya satana leçon moko ta ko pesa biso, leçon de morale. Kagame azatana leçon moko ta ko pesa biso. Mais kagame komi koloba na makambo
oza ko relevé na souveraineté ya mboka na biso makambo élection kaga makomo lobango. Ça dit baye baki déjà ba congolais ke baza manipulable baza sensible soko touché boyé ba ko se révolter contre le chef de l'État de basalaki na Kabila tout ça, mais cette fois-ci ba moni ngoté. Est-ce que bozo senti ba marche banda ko bouger na période de Kabila et ça sus. Oui, Tchani Yango, tout le monde a marché, mais il y a tout ça la marche en 2015. Pendant que tel est le recensement, et Boshaba tellement transpira devant Kengo Andodo. Pendant que défendre, sénatrice, pourquoi tel est le tournant Boshaba Bima, comment on a victoire? Je ne sais pas si on a victoire, on a devant la population, on a victoire. Ce qui est un peu comme ça, c'est que est-ce que tout le monde a. Bon, on a une manifestation, ils ont sauté. Ça prouve à suffisance que Félix est soutenu par le peuple congolais. Peuple bisonde tout comme ça la force à Félix. Tout ça la nasima ya Félix, ba impérialiste, ba ennemi à Congo, et à la exogène ou endogène, ba ko échoué. Félix ne mourra jamais. Félix a zamu tumalam, il ne mourra jamais. Félix a eu pouvoir à Zimbo kapesi na Nzambe. Nzambe zo continue ko battre la yé. Il ne mourra pas. Alors, biso nioso, tout ça na simanaye. Toti ka batu basala ba marche na bango, c'est la démocratie, to empêcher bango te. Mais, bon, mon ake bako bouge mboka te. Loi wana toko vote yango. Loi wana eko le ka. Ba représentant na biso les élus légitimes du peuple. Bako vote loi wana. Et nous allons les applaudir. Toko limbi sa mabe nioso basala. Toko limbi sa mo. Zamba pambola, mino. Bon partager lien bandego nyoso bakolanda biso na ba radio surtout radio liberté fm toza na plateau ya Genor TV nde tozo sale la émission oyo alors kota na YouTube loka Genor TV ou komi J E N O R E espace TV ozu Genor TV o sabone o mona makambo belé o toloba lobaka. Parce que quand on a un message, on a tout ça, alors il y a un lobby, bon, on a un na Genor TV. Et ça, quand on a un Franck Osvaldo Ilunga, on a un micro, on a un matériel, et ça, Moussala y a un Naomi, Naomi Nimpe, on a un salé Lamboka, on a un salé Lamboka, merci, on a partagé, on a un micro, on a un peu. Mon négligence, c'est Zali. Bon partager, vraiment, bon partager, pensez bon partager. Bon partager, mon micro le belé, tout ça l'a quitté. Tout ça, il y a mon bakou, c'est belé. Tout ça, alors, tout zongi, si qu'on a ma solo, tout zongi, n'a ma solo. Tout zongi, n'a ma solo, vraiment, bon partager. Émission, Nzamba Pambola Bino, tout koutan imba la sima. Genor TV, Chana Kitoko. Imagine yon a mandan che balelango makasi. Genor TV nangai. Bana kini va sepele makasi. Ba diaspora, bana Congo. Bosunga Genor TV, ekende liboso. Chana mounene. Genor TV, chana mounene. Imagine yon a mandan che balelango makasi. Genor TV nangai. Bana Congo va sepele makasi. Bana kini. Chen oiza pour nabino. Pour nous, nous avons une image par-ci par-là. Nous avons un peu de fort. Nous avons un Congo, un Poto, un diaspora. Vous abonnez à la chaîne Abino, Genor TV. Nous avons un peu de Boki, Eza Genor TV. Vous abonnez massivement. Vous soutenir Genor TV. Vous soutenir sous. Banadia d'Abisso, Franck Ojivador, il est pour une initiative. Genor TV.